Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Conférences d'actu, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie et réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Thomas Guéretz, PUPH en anesthésie et réanimation au CHU de Toulouse, pour parler d'actualité sur la prise en charge du traumatisme crânien grave. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question est assez simple, y a-t-il des nouveautés dans la prise en charge en réanimation des traumatismes crâniens graves ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, il y a des nouveautés. Il y a quelques articles dans des grandes revues qui sont parus, dont certains par des équipes françaises. Je pense qu'il est important de discuter avec toute la communauté qui prend en charge les traumatismes crâniens parce que ça change un peu les pratiques, en particulier sur la prise en charge en réanimation, les objectifs transfusionnels et peut-être l'organisation ou l'évolution vers quelque chose qui soit plus individualisé au niveau de la réanimation. D'accord, très bien. On va commencer par les moyens de monitorage. Quels sont les moyens de monitorage qu'on peut ou qu'on doit utiliser en réanimation pour la prise en charge des patients cérébro-lésés, notamment traumatique. Alors il y a bien sûr le monitorage invasif, et là il y a des nouveautés sur le monitorage invasif. Il y a la PIC, vous avez probablement vu cet article qui date de maintenant 5-6 ans des Américains qui remettaient en cause le monitorage systématique de la PIC avec une étude randomisée mais faite dans des pays d'Amérique du Sud qui a été sujet de beaucoup de discussions. Pour nous, il n'y a pas trop de discussions sur les malades graves, les recommandations elles sont assez claires, les malades graves à risque d'hypertension intracrânienne, c'est-à-dire avec un scanner anormal, il faut qu'ils aient un monitorage invasif de la pression intracrânienne. La question actuelle, c'est la question, est-ce qu'il faut un monitorage complémentaire de type monitorage de l'oxygénation cérébrale invasif, la PTIO2. Et là, il y a une équipe, l'équipe de Grenoble, qui a conduit, Jean-François Payen, qui a conduit une très très belle étude avec les réanimations françaises, une neuro-réanimation française, qui s'appelle OxyTC, qui est parue cette année ou l'année dernière, qui randomise les malades PIC versus PIC plus PTIO2. Le résultat principal de cette étude, c'est qu'il ne semble pas y avoir de différence quand on prend tous les malades en termes de pronostic neurologique avec ce monitorage. Il semble quand même y avoir un signal chez les malades les plus graves, chez les malades qui ont une hypertension intracrânienne, en faveur du groupe qui avait bénéficié du monitorage de la PIC et de la PTIO2. Mais quand on prend tous les malades, pas de bénéfice clairement démontré. Et donc c'est une étude qui ne répond pas complètement encore à la question. Il y a d'autres études qui sont en cours, nord-américaines et australiennes. Donc on verra un peu le résultat de ces études pour savoir s'il y a vraiment un intérêt à rajouter un monitorage de l'oxygénation cérébrale. Et après, bien sûr, il y a le monitorage non-invasif. Là, il n'y a pas de nouveauté évidente. Le Doppler transcrânien sert de détection des malades les plus graves, l'échographie oculaire également, mais on manque encore de données solides dans la littérature aujourd'hui. Très bien. Dans les nouveautés, on parle aussi beaucoup, notamment au biais des publications récentes, de la prévention des PAVM chez le patient neurologique en général, mais aussi chez le traumatisé crânien. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? Alors oui, bien sûr, vous avez probablement vu ce papier il y a quelques années sur les arrêts cardiaques, qui montrait qu'une administration d'antibiotiques à la phase toute précoce des arrêts cardiaques améliorait l'incidence des pneumonies et même la mortalité. Et donc il y a l'équipe de Claire Daillot à Poitiers qui a conduit une excellente étude qui s'appelle Profivap, qui en fait a randomisé 2 grammes de ceftriaxone en dose unique chez les malades versus placebo, chez les traumatisés crâniens, intubé plus de 48 heures, donc une dose unique. Le résultat principal, c'est que l'incidence des pneumonies précoces et tardives diminuait et que même la mortalité précoce, quand elle a été mesurée à 28 jours, diminuait. Cet effet disparaissait un peu sur la mortalité quand on regardait plus tard, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il est probable que l'administration d'une dose unique d'antibiotiques chez les malades qu'on intube permette d'améliorer l'incidence des pneumonies et peut-être la mortalité à confirmer plus tard. Mais ça, c'est une étude qui va changer nos pratiques probablement. Et en fait, on va probablement un jour tous faire une dose d'antibiotiques chez les malades qui ont été intubés suite à un traumatisme crânien, comme aujourd'hui, il semble être la tendance sur les arrêts cardiaques. Ça paraît assez logique, les malades ont inhalé. Il faut probablement faire une dose d'antibiotiques pour diminuer l'inoculum et probablement diminuer l'incidence des pneumonies.
Merci Thomas. On parle aussi beaucoup actuellement du seuil transfusionnel chez le patient traumatisé crânien. Qu'en est-il ? Alors là aussi, il y a des nouveautés. Vous connaissez probablement le dogme des Axos, hein. Il faut contrôler les agressions cérébrales secondaires. Et on a tous appris, quand on était plus jeune, qu'il fallait probablement un seuil transfusionnel un peu plus haut chez les traumatisés crâniens. 8, 9 grammes. C'est une question qui agite beaucoup de monde, hein, en chirurgie cardiaque, en anesthésie, en périopératoire. Et là, il y a une étude conduite par des Canadiens, l'équipe d'Alexis Sturgeon, qui s'appelle Emotion, qui publie dans le New England cette année, qui a randomisé seuil transfusionnel bas, 7 grammes, versus seuil transfusionnel haut, plutôt 10 grammes, chez les malades traumatisés crâniens anémiques, définis par une hémoglobine en dessous de 10 grammes. Et bien, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de différence, pas d'effet sur la mortalité ou sur le pronostic neurologique, sur le devenir neurologique. Et donc, avoir un seuil transfusionnel bas ne semble pas aggraver ni la mortalité, ni le devenir neurologique des traumatisés crâniens. Et donc ça va probablement aussi changer un peu nos pratiques. On va probablement accepter, chez les traumatisés crâniens graves, avoir un seuil transfusionnel plus bas, un peu finalement, un peu comme pour tout le monde. Aujourd'hui, on sait que 7 grammes, c'est probablement le seuil pour lequel il faudrait accepter de descendre avant la transfusion. De façon intéressante, dans les deux groupes, il n'y avait pas de différence sur le taux d'infection ou sur des critères secondaires, mais en gros, pas peu d'effet de la transfusion, on va dire, plus précoce chez les malades traumatisés crâniens. Et donc, ça remet en cause le dogme des transfusions du seuil transfusionnel un peu plus haut chez les cérébro-lésés. Concernant la neurochirurgie, c'est aussi une question qui se pose assez souvent, notamment pour les hématomes sous-dur ou aigus. Doit-on les opérer ? Faut-il les opérer ? On ne doit pas les opérer ? Est-ce qu'il y a des nouveautés concernant cette prise en charge ? Alors, à la question est-ce qu'il faut les opérer ou pas, c'est une grande question, malheureusement, pour laquelle on n'a pas de réponse claire aujourd'hui, parce que c'est des malades qui sont très hétérogènes et c'est compliqué de pouvoir avoir une réponse, on va dire, solide sur ces patients. Par contre, il y a eu une étude récente, publiée cette année, encore une fois, dans le New England, par l'équipe de Cambridge, qui a posé la question, faut-il faire une craniectomie décompressive d'emblée quand on a un hématome sous-dural aigu à la phase précoce qu'on opère pour évacuer le sous-dural. Donc on randomise évacuation du sous-dural plus et repose du volet versus évacuation du sous-dural et craniectomie décompressive. Et le résultat, donc grosse cohorte de patients, étude vraiment bien faite, le résultat c'est qu'il n'y a pas d'effet sur la mortalité, le pronostic neurologique. Et donc il ne semble y avoir pas de bénéfice à compléter l'évacuation du sous-dural par une craniectomie décompressive quand on opère un hématome sous-dural aigu à l'arrivée, dans les heures qui suivent son arrivée. Il y a un peu plus de complications dans le groupe craniectomie, complications liées à la craniectomie décompressive, mais pas d'effet sur les critères durs de jugement qui sont la mortalité et le pronostic neurologique. Donc le message, c'est probablement, s'il n'y a pas besoin de faire une craniectomie décompressive pour des raisons d'hypertension intracrânienne, il ne faut pas la réaliser systématiquement chez les malades qu'on opère d'un hématome sous-dural aigu à la phase initiale d'un trauma crânien. Merci Thomas. Et doit-on envisager du coup une médecine personnalisée ? Alors ça, c'est une grande question parce que vraiment, on passe notre temps à dire que les traumatisés crâniens, c'est des malades hétérogènes et donc on a du mal. Et donc la question, c'est d'arriver à trouver des critères pour adapter le traitement. On sait aujourd'hui, et c'est des données encore récentes, hein, que probablement une réanimation guidée sur l'autorégulation cérébrale avec des niveaux de pression un peu différents, probablement, est associée avec peut-être un meilleur pronostic, mais on n'a pas de preuves solides, des études sont en cours. Donc on a du mal à pouvoir dire aujourd'hui qu'une réanimation basée sur des critères d'autorégulation, c'est quelque chose qui est solide. Par contre, il est probable qu'en fait, des collectes de données massives, analyses, nous permettent d'avancer. Par exemple, il y a des études françaises, hein, sur la trauma base qui disent des données préhospitalières, par exemple, qui vont nous donner une probabilité d'avoir besoin d'un recours à la neurochirurgie dans les heures qui suivent l'admission, dans les 24 premières heures. Par exemple, un score de Glasgow bas, une anomalie pupillaire. Et bien ça, il y a des données sur des grosses cohortes de patients qui nous disent, attention, ceux-là, ils vont avoir un recours à la neurochirurgie plus fréquent. Et puis, il y a même une étude très intéressante qui regardait un peu les recommandations françaises et européennes pour y avoir participé, je les connais bien, lesquelles sont vraiment associées à une amélioration du pronostic. Et donc, c'était intéressant de voir que sur une grosse cohorte de patients, il y a seulement 7 recommandations
qui sont, quand on les suit, et qui sont associés avec une amélioration du pronostic. C'est par exemple ne pas faire d'hypocapnie. C'est par exemple envoyer les malades dans un trauma center. C'est par exemple réveiller les malades et les extuber extuber les malades dès qu'ils ont des critères d'extubation. Et donc ça, c'est des choses intéressantes qui nous permettent probablement de faire une médecine personnalisée. Et puis probablement, on va aller sur des choses un peu plus fines avec des biomarqueurs. Ce qu'on a appris récemment, et je pense que c'est très important, c'est en fait, on sait que sur les traumas crâniens, 40% du pronostic en fait, dépend des lésions initiales, de l'âge, des lésions initiales, des lésions traumatiques. 25% dépend probablement de facteurs génétiques. Et ça, c'est une publication récente, très belle publication, qui montre que 25% du devenir est expliqué par des critères génétiques. 15 à 20% dépend en fait des modifications, des variations de pratiques des médecins. Donc en fait, en gros, de ce qu'on fait en réanimation. Et puis, il y a 20%, on ne sait pas. Et donc ça, c'est intéressant de dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas forcément de ce qu'on fait en réanimation. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les années qui viennent. Quelle piste, quelle amélioration du pronostic neurologique? Et ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais on va vers cette médecine personnalisée sur des biomarqueurs, sur des profils, des phénotypes de malades différents pour pouvoir adapter le traitement. Et ça, c'est très important. C'est ce qui est déjà fait sur la ventilation, hein, sur l'hémodynamique et sur le cerveau. Et ben, on y arrive. On cherche les critères qui nous permettent d'adapter. L'autorégulation, bien sûr, le fait d'avoir un cerveau qui est réactif à la pression, le fait d'avoir aussi une évolution un peu différente en fonction de, voilà, peut-être des critères génétiques et peut-être des critères basés sur des biomarqueurs un jour. Merci beaucoup Thomas. Donc vous trouverez les références citées dans cet épisode sur la plateforme du podcast et pensez à vous abonner. Merci beaucoup.